le rideau s'ouvre sur la fin des vacances d'hiver. Pleasant Mike et Aizawa se rendent à la prison de Tartare. Une fois sur place, ils retrouvent Naomasa et Gran Torino. Ils leur font rapidement un topo sur la nature des Nomu, tout ça pour au final leur mettre la vérité en pleine face concernant Kurogiri, l'ancienne carte maîtresse des vilains qui créait des portails à tout va. Il s'agirait en réalité d'Obito Uchiwa, leur ancien partenaire. Oups, faute d'interprétation, autant pour moi. On me dit dans l'oreillette qu'il s'appelle en fait Oboro Shirakumo. Pour faire au plus simple, à l'instar des Nomu qui proviennent d'humains, ils se sont servis du corps de celui-ci comme base pour créer cette entité. Mais on reparlera de cette Uchiwa pour plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est vraiment pas cool de la part d'Afo. Pendant ce temps, le docteur Robotnik finalise son chef-d'œuvre, en espérant que Sonic ne viendra pas mettre son grain de sel cette fois-ci. À côté de ça, les élèves nous font étalage de leur évolution en termes de technique ultime, avec un temps d'antenne record pour Invisible Girl. Retour sur Bakugo et Izuku qui s'entretiennent avec All Might au sujet des prédécesseurs du 1 pour tous. On revient finalement dans le passé pour nous montrer que l'armée de libération est plutôt au point. Ils sont désormais organisés en escadrons en fonction de leurs compétences. Autrement dit, ça sent vraiment pas bon pour nos héros. Et Hawks en est parfaitement conscient. De plus en plus de réfractaires au système actuel, l'objectif des méchants étant d'attaquer chaque ville importante dans le but d'annihiler toutes les lois qui privent ce pays de liberté, tandis que Ridestro et ses hommes prendront le monde politique en otage. Pendant ce temps, Hawks et Twice nouent une jolie relation d'amitié, tout du moins de respect. Bien que leur idéologie ne concorde pas, Hawks sent que Jin a un bon fond. Finalement, le raid composé des plus grands héros se dirige vers l'hôpital. Ils s'apprêtent à le cerner pour débusquer le docteur qu'ils savent à l'origine de bien des manigances. On peut même apercevoir Selkie et Chainsaw Man dans les rangs. Autant vous dire que ça va chier. Endeavor débarque donc dans l'hôpital, la colère se lisant sur son visage et la peur sur celle du docteur, révélant par la même occasion le fait qu'il possède un alter qui lui permet de rajeunir grâce à la capacité d'Eraserhead. Ils en concluent qu'il est très certainement à l'origine de bon nombre d'alters artificiels. Mirko, la déesse de toute une génération, se dirige alors vers la mort, pensant que les Nomu sont désormais inopérants puisque celui qui les commande est entravé. Grave erreur d'interprétation puisque le captif est en vérité un clone créé par Twice. Le vrai se trouve bien au chaud dans son laboratoire, à attendre patiemment l'achèvement de l'éveil de Tomura. Il adressera ses dernières directives à Johnny avant que celui-ci ne se fasse brutalement écraser par l'arrivée inopinée de Mirko. Il lui rend un dernier hommage en chantant l'une de ses chansons phares. L'assaillante en informe ses collègues et passe à l'attaque. Cela laisse néanmoins le temps au docteur d'appeler 5 High-End en renfort, qui conduira notre héroïne à livrer son plus beau combat. Elle met à mal plusieurs de ses adversaires en se battant non pas comme un lièvre, mais comme une lionne. Mirko perd un bras durant l'affrontement, mais parvient malgré tout à nous offrir l'une, si ce n'est LA meilleure prestation de tout le manga, avec des techniques et des répliques très stylées. Ces Nomu ne sont pas simplement plus puissants, mais surtout doués d'une intelligence supérieure. Plus loin, alors que les élèves s'inquiètent pour leurs amis, nous retrouvons Denki en première ligne aux côtés d'une tortue ninja et de Sonic. Cementos crée une ouverture, ce qui pousse un ennemi à prendre les devants. Mais ce dernier est très rapidement contré par Denki et son électricité. Ridestro est ainsi prévenu des agissements des héros en urgence. Les vilains sont en effet mis à mal par leur combinaison surprenante. Dans le manoir, un Hawks à l'expression impitoyable fait son apparition en mettant Deadpool dos au mur. Il lui fait part de la façon dont il s'est joué d'eux, et de lui en particulier. Quand bien même il le respecte en tant que personne. Il lui propose même de l'aider à s'en sortir une fois qu'il aura purgé sa peine. Twice réalise alors à quel point le fait d'accorder sa confiance aussi facilement lui porte préjudice à lui et à ses compagnons. C'est pourquoi dans un excès de colère, il s'en prend à Hawks, indisposé à coûter quoi que ce soit de plus. Il ne souhaite plus que quiconque puisse profiter de sa gentillesse. À contre-cœur, ceux qui auraient pu construire une belle amitié dans d'autres circonstances se lancent à leur tour dans la bataille. Pendant ce temps, Dabi se dirige vers leur position, étant conscient depuis le début de la vraie nature de l'oiseau. Ailleurs, le groupe composé de Fumikage, Sun Heater et Fat Gum tente désespérément de se faufiler jusqu'au souterrain du front de libération. Ridestro et Tokoyami s'opposent brièvement lors d'un bras de fer qui se soldera par la victoire du Ténébreux, révélant un passage secret fort intéressant. Retour sur un autre combat d'anthologie où la domination est sans appel.
Hawks parvient sans trop de difficulté à se débarrasser des clones de Twice. Sa position est complexe due à son attachement sincère pour le vilain. Mais il doit accomplir sa mission coûte que coûte. Le héros numéro 2 lui partage son point de vue sur ce qu'il considère comme étant ses craintes. Mais c'est à un Twice hystérique qu'il a affaire. La partie est terminée, il se doit de le tuer sans quoi il ne renoncera jamais. Une tentative de plus avortée le conduira à penser que c'est la fin. Mais c'est sans compter sur l'intervention du Dabi qui arrivera subitement pour l'arrêter juste à temps. Grâce à ses flammes et à l'effet de surprise, il parvient à prendre le dessus. D'autre part, il concède qu'il ne lui a jamais fait confiance. Ses ailes brûlées, il ne peut plus s'enfuir comme il le voudrait, décidant par conséquent de se tenir le plus à distance possible. Il profite cependant d'une ouverture pour se faufiler derrière Twice, pour en finir avant d'être décontenancé par Dabi, qui lui révèle son vrai nom, permettant à son allié de prendre la fuite. Il saisira cette occasion pour sauver Himiko et Mister Compress, jusque-là en mauvaise posture en tuant un des héros du bataillon. Il fait ensuite ses adieux à celle qui le comprenait le plus. Il se considère chanceux de les avoir rencontrés, puis succombe. On retrouve Fat Gum avec les étudiants enfermés dans sa graisse. Tokoyami se souvient de la faiblesse de son mentor, à savoir le feu. Il s'extrait donc de la couche adipeuse et fonce dans sa direction. Hawks est effectivement en très mauvaise posture, incapable de répliquer, il remet en cause la tristesse de Dabi. S'ensuit une révélation pour le moins surprenante sur sa réelle identité. Un monologue philosophique plus tard, et avant qu'il ne puisse se débarrasser de lui, il est repoussé par l'intervention de Tsukuyomi. Il poursuit son sauvetage en ignorant le discours sur les préceptes du bon ou du mauvais héros. Protégé in extremis par un mur de glace projeté par Genten, il s'en sert pour décamper. Il exprime ainsi son souhait de voir son maître se rétablir au plus vite, car tout le monde croit en lui. Étant donné qu'il semble se passer beaucoup de choses à côté, Dabi revoit ses priorités. Retour à l'hôpital où le combat de Mirko se poursuit. La fatigue annexée aux blessures qu'elle a subies lui font peu à peu perdre le fil de la bataille. Si elle essaye de se focaliser sur le docteur, ce n'est pas de l'avis du Nomu qui la poursuit et lui arrache une oreille. Qu'importe, car elle promet qu'elle ne succombera qu'après avoir vaincu tous ses ennemis. Mais quelle femme! Un dévore arrive au moment critique pour lui porter un coup de main, accompagné d'Eraserhead et de Present Mike. À force de cohésion et d'une détermination sans faille, ils parviennent à créer une occasion pour détruire la capsule dans laquelle Bento mourra et ainsi interrompre le processus à 75%. Dans son subconscient, Shigaraki revoit ses proches en tant que Tenko avant de rejoindre le côté de la force obscure en tant que suppôt du mal. De retour pour leur jouer un mauvais tour, il use de sa désintégration, causant un effondrement considérable à la ville. Izuku parvient néanmoins à atténuer la chute de l'Empire. Tous se démènent alors pour protéger les citoyens et réduire au maximum les dommages. Accueilli par Endeavor, lui et Tomura s'échangent quelques passes, tandis que Grand Torino et Aizawa protègent les élèves autant qu'ils le peuvent. Bakugo et Izuku interviennent, car c'est désormais à eux de protéger leur cher professeur, soutenu par le seul et l'unique numéro 1. Des combats incroyables se passent en parallèle, notamment Tsuyu et Ochako contre Himiko, ou celui des héros versus le front de libération. Et bien sûr, Gigantomachia que tous essayent de réfréner dans sa rage. Une solidarité jamais vue jusqu'ici voit le jour. Tous sont prêts à mettre un terme à cet excès de violence. Et devant tant de beauté, voici quelques images fortes de ce sublime spectacle. L'homme, considéré désormais à juste titre comme le roi de ce manga, continue son petit bonhomme de chemin en blessant grièvement Grand Torino. De rudes hostilités prennent vie du côté de Izuku et de son némésis. Il tire deux balles sur Eraser. Une arrêtée par Bakugo, l'autre qui atteint sa jambe, ce qui le force à la couper pour éviter la propagation. Avant que la destruction ne fasse son œuvre, Izuku parvient à protéger tout le monde. Le combat final commence avec un Midoriya vert de rage, Katsuki le protégeant alors d'une attaque qui aurait pu s'avérer fatale pour le jeune héritier. Épaulé par les prédécesseurs du One for All, le climax atteint son apogée quand au même moment, Dabi fait part de quelques révélations étonnantes. Ou pas. Il s'agit en fait de Toya Todoroki, l'aîné de la famille disparue. Il reproche beaucoup de choses à son père et une partie de son passé nous est révélée. Il divulgue une vidéo de Hawks assassinant froidement Twice et remet en cause le système actuel. Son show terminé, Peste Janis revient d'entre les morts pour remettre de l'ordre dans tout ça. C'est ensuite au tour de Miryu de le soutenir avec son... Mister Compress nous révèle sa belle gueule, Spinner est empreint au doute et All for One reprend le dessus sur son disciple, mettant fin au combat pour lui permettre de récupérer suffisamment. Le bilan est pour le moins catastrophique, beaucoup d'arrestations, mais également beaucoup de morts.
dont Midnight. Quelques temps après, tous les détenus de Tartare s'évadent dans un monde où toute la société est remise en question par les citoyens. Ceux-ci réclamant des comptes aux héros. Stain reprend du service, le passé de la famille Todoroki nous est expliqué et Izuku s'entretient avec ses prédécesseurs au sujet de All Might et plus particulièrement du One for All. Il en est le dernier héritier et promet de sauver Tomura au lieu de le tuer. Alors que la vie reprend son cours, il décide de quitter l'académie pour agir en solitaire, pensant préserver ses amis de cette manière. Donc, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à le faire savoir avec un pouce en l'air et un petit commentaire pour me dire tout ça. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Donc, prenez soin de vous. À plus !